Je m'appelle Bérangère, je suis la directrice de l'ASBL Bellerive qui accueille des personnes adultes autistes. Donc on a 22 résidents ici. Notre projet pédagogique tourne autour de la petite ferme. Donc on a des ânesses, des poules, canards, moutons. Nos résidents sont très sensibles à l'environnement, à la nature, à tout ce qui leur entoure, parce qu'on leur explique aussi que tout est vivant. Et voilà, c'est comme ça aussi, quand ils vont soigner les animaux, ben, vous vous mangez, les animaux aussi ont besoin. Donne-lui, Dis, allez, hein. Chaque jour, ils s'y rendent aux animaux pour les soigner, pour donner à manger. Parfois, ils font aussi des petites balades extérieures donc dans le site avec nos ânesses. Il y a beaucoup de relationnel aussi. Allez, viens avec moi. Ne t'inquiète pas. Allez, viens. On pense. Allez, viens. Grâce à CAP 48, qui est en cofinancement avec Peridaisa Foundation, on va pouvoir réaliser un superbe projet d'un sentier didactique pour la protection de la nature, en collaboration notamment avec Natagora, qui est une association qui protège la nature, l'environnement et qui conserve la biodiversité. Donc on va réaliser cela tout autour de notre propriété. Et c'est aussi un petit projet d'inclusion aussi pour le village. Enfin, les gens pourront venir de l'extérieur, voir ce qui se passe chez nous et voir tout ce qu'on pourrait instaurer dans ce sentier nature.